ce numéro-là. C'était une façon de parler avec Sam Smith. Et moi, j'ai fait, avant de faire cette couve-là, on avait fait une interview ensemble pour la petite histoire. Il n'était pas connu du tout, c'était tout début de sa carrière. Il avait sorti Just Money on My Mind, c'était peut-être un ou deux premiers singles. Et je le vois, il n'y avait pas beaucoup de journalistes français qui avaient envie de le voir à l'époque. Et on se voit dans un tout petit hôtel assez shitty du côté de Bastille, vraiment pas terrible, mais putain, ils sont foutus de sa gueule, ça me lève. Et moi, je me suis dit, ce mec-là, il va tout péter. Mais à l'époque, franchement, personne ne le connaissait en France. Et on parle et tout, et l'attaché de presse me chope à l'entrée, me dit, on est d'accord qu'on ne parle pas de sa vie privée. Ce qui veut dire, ah, ça c'est une façon très énorme de dire qu'il est pédé. En gros, elle me dit, non, mais tu comprends, et tout. Et en fait, on fait une interview, et le type est délicieux, il me montre ses tatouages, il me parle de Britney Spears, il me parle de Whitney Houston, et je lui dis, le mec, il me dit, je sais ce que tu vas me demander comme question. Et il me dit, est-ce qu'on peut arrêter ton recordeur? Et je dis, oui. Il me dit, écoute, vas-y, pose-la ta question. Je dis, t'es pédé. Et il me dit, écoute, bah évidemment, quoi, ça va comme le nez de la fille. Juste, j'ai décidé de le dire, mais en fait, j'ai envie de le dire dans une vidéo. Donc, si je te le dis maintenant, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je te le dis maintenant, toi, dans ton interview? Est-ce que je le dis au Guardian chez moi en Angleterre? Et voilà, genre, je suis gay. Voilà, ou est-ce que tu crois que c'est mieux de le faire en vidéo? Et je dis, bah, je pense que c'est une meilleure idée de le faire en vidéo, effectivement. Et je sais pas, peut-être un mois après, peut-être un peu plus tard. T'es. Finalement, il a fait son coming out en vidéo. Et la vidéo, elle a fait genre, je crois, 140 millions de vues. Et finalement, c'était la bonne façon de le faire. Mais le mec était transparent. Il avait pas envie de mentir. Hein. Il a dit, non, mais attends, c'est bon, pas que je sois. Et c'était super, tu vois.